Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Doors Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je vais te réaliser, je vais aller évoluer quelque chose. Vini! Salut Vini, tu connais-tu ce jeu-là avant? Ok, c'est un bon jeu, je te le conseille. Ciao ciao, merci encore pour le host. Passe une bonne soirée. C'est pas loin d'ici. Calice! Calice!
Tu veux danser? Thank you.
Ah. Pourquoi la porte s'est-elle fermée? Comment pourrons-nous rentrer? Bonne question. Aïeux, quelle pagaille! Mes belles journées sont brisées! Je voulais dire que je te prie de m'excuser pour le désordre, très cher. Je ne m'attendais pas à de la visite.
trouvé une vieille bague de fiançailles. Il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un à épouser. Yes, sir! Je commence à remettre en question l'autorité du maître des portes. Mais il est peu tard pour ça, puisque je suis morte. Dis-moi, ce n'est pas toi qui as mis cette pagaille, j'espère. Je
Je ne suis pas très accueillante avec les affreux qui veulent maltraiter mes enfants. Prends bien garde, faucheur. Prends bien garde. Je vais me faire tuer là-dessus. Pas motivé trop mentalement là-dessus. Thank you.
sûr. Elle m'a dit que je vivrais éternellement. Avec une tête en forme d'urne. Merci bien. Bien, petit corbeau, tu as assez abusé de mon hospitalité. D'abord, tu remplis la tête de mon crétin de petit-fils avec des histoires absurdes de malédiction. Et ensuite, tu viens ici juste pour briser mes belles urnes. Moi, je veux juste aider les gens. Tu poses la patte dans ma cave, tu devras subir les conséquences. Je pourrais même en toucher deux mots à ton employeur. Quoique je préfère ne plus voir ce vieux tordu, franchement, qui se promène avec une serrure en guise de tête, quel farfelu! Du balai, petit corbeau. Tout livide brille d'une lueur mystérieuse. Est-ce qu'elle est ouverte? Justement, je comprenais mieux le fonctionnement des portes avant que tu ailles plus loin. Face de bête, je dois te faire un aveu. La vieille sorcière, eh bien, vois-tu, c'est ma grand-mère. Je me suis retrouvé avec ce crâne en céramique quand elle essayait de me rendre immortel. Vois-tu, la mort de mon grand-père lui a causé de tels chagrins qu'elle s'est mise en tête de garder notre famille en vie pour toujours. Ses recherches l'ont amené à penser qu'en remplaçant une tête par une urne, elle pourrait rayer quelques dérégistes de la mort. Cependant, je ne me suis pas laissé faire. Nous nous sommes battus et sans sortilège, j'ai dû échouer, car comme tu peux le voir, j'ai une soupière en guise de tête. Je crains qu'elle ait vécu beaucoup trop longtemps, son âme est devenue bouffie et corrompue. J'ai déjà vu ça, souvent sur des terres. Tu es un faucheur, et je te supplie de mettre fin à mes souffrances et d'amener son âme dans la vie d'après. Puis-je-t-elle retrouver à nouveau la paix? Toi, faucheur vivant. Dire, méfie-toi. Avarice. Là, j'ai plus de chance, ça devrait. J'ai rien qu'une chance.
Allez, va essayer certains. Oh yes. Oh, Alice, tu fais! Incroyable, qu'est-ce que tu fais, Caribou? Au-dessus.
Oui! Un cadeau d'un collègue corbeau, t'aider dans ta quête. Sors de la flamme obtenue. Appuie sur le côté gauche sur la croix pour passer au sort de flamme ou par en haut pour revenir aux flèches. Ah! Ah, je suis con. Trouver un parapluie égaré. Exactement ce qu'il te faut pour ne pas te mouiller les plumes par temps de pluie. Tu peux t'en équiper dans les menus des armes. Ah, je vois que tu as visité les anciens bureaux. Je travaille dans l'île S avant de commencer par ma vraie vie et de fuir le stress quotidien. Je suis beaucoup plus heureux, mais je vais un choix de bureau. On dirait un journal abandonné par un faucheur. On nous a ordonné de déconnecter une série de portes ouvertes dans la région où il y a eu des surcharges d'énergie. Dans cette même zone, on a constaté une grande activité des membres de la commission qui aidait la sorcière dans ses recherches. L'ordre a été exécuté immédiatement et je ne sais pas ce que sont devenus les corbeaux qui étaient là-bas. Toutes les portes ont été scellées et les autres travaux demandés dans la région ont été effectués manuellement. C'est bizarre, mais ce n'est pas de mon essor. Il faut mieux ne pas se poser de questions. On dirait que tu as trouvé des tas d'âmes là-dedans. D'où est-ce que tu sors? Je n'ai pas vu autant d'énergie animique depuis des années, des siècles même. Question que je te tape la paperasse pour ça, alors je te conseille d'arranger ça vite.
peux trouver une vieille photo. Quelle jolie couple. Ils ont-ils vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants? Bonne question. Personne ne le sait. J'ai pogné une clé, elle devrait ouvrir quelque chose. Là, c'est de... Elle a dit ne va pas dans ma cave.
Je l'ai envoyé au bout, je suis bien con. T'es prévenu, Corbeau. Et pourtant, tu t'obstines. Je me demande si c'est admirable ou stupide. Non, c'est complètement stupide. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois m'entretenir en privé avec ce garnement exaspérant. J'espère le ramener à la raison. Maintenant, s'il te plaît, fiche-moi la camp. Alice. Thank you.
intéressant. Ça explose après, ça. C'est chiant, ça. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Death's Door. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!